Précédemment, dans les Turner. Vous êtes où? Mais regardez où je suis, ouais, jusqu'à la merci, j'en vais à la merci. Attends, je descends, je veux chier, je suis. Oh mon dieu. Tout de suite, j'ai les larmes qui me viennent parce que je me dis putain, mais en fait, ça va être ça pendant 24 heures. Du coup, on y va, ça y est. Je me dis que de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Si j'ai accepté cette aventure, bah, c'est pour aussi surmonter mes peurs, donc c'est parti. Si j'ai accepté cette aventure, c'est aussi pour me surpasser et tout, mais c'est vrai que là, je me retrouve vraiment sur le fait accompli et c'est difficile. Ouais, je comprends, mais vraiment, il t'arrivera à rien, ça va être génial, tu vas trop kiffer, tu verras. C'est loin là, de ce que ouais. T'imagines. Après moi le seul problème c'est les insectes, c'est vraiment une phobie genre. Il t'arrivera rien? Non, il a sorti un couteau comme ça, il a dit c'est... Mais non, mais il rigolait, je te promets. Waouh, donc là Noy et Charlie nous disent les gars, faites attention, rentrez vos pantalons dans vos chaussettes, ne restez pas bras nus, c'est vraiment dangereux et tout. On se dit oulala, mais dans quoi on s'embarque? Franchement là, déjà le radeau, je sais pas comment on dit ça, ça sera où? Sur le petit truc là? Regarde, c'est comme dans les films Disney. Ouais. Elle papillonne. La pirogue. C'est pour qui les chaussures là? Guys, je mets 5 étoiles au Uber. Posé dans ma pirogue. Derrière moi, nous allons enfin pénétrer dans le beau lieu de Châtelet-les-Halles. Waouh. Iconique. On commence à avancer et là je me dis waouh, le paysage est ouf. Enfin, le décor c'est en sauvage comme d'habitude, mais là c'est gros parce que t'as les montagnes devant Vienne et tu t'enfonces vraiment dans la montagne. Là on monte dans une voiture, donc je fais oh bah jusqu'ici tout va bien. Le confort, jusqu'à que je vois que la voiture elle commence à faire des dingueries. Là ça n'a rien à voir avec les trous dans les routes. Non, elle commence à monter dans des pentes où on se prend des arbres et tout. Je me suis dit si ma vie elle est en danger dans cette voiture, ça sera quoi cette nuit? Regardez, on va prendre quoi? Un sort de truck beaucoup plus puissant, regardez les grosses roues, elles font la taille de ma taille. Je suis choqué. Ben attendez. Hein? Vous êtes monté comme ça? Par contre ça pue. Oh là là. Attendez, mais par contre c'est un peu dangereux. Slow down. Ah! Voilà. Guys, il y a une bête, elle a fait caca sur ma main. Je vois d'ici. Help. C'est pas grave, il a l'habitude. J'ai une bête. Ah, je vais mourir. Maintenant, il a eu peur, wesh. Il est pas grave, viens. Wesh. Wesley, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas à l'aise. Voilà, c'est pas n'importe quoi, il n'y a même pas de casque. Voilà, ça descend un petit peu. Voilà, je suis pas. Ça descend. Oh mon dieu. Ils sont malades. On dirait pas, on était en train de monter une attraction. Ouais, exactement, on dirait une attraction. Loi, arrête! Putain! Arrête déjà, elle est traumatisée. Oh! J'ai peur! Oh non! Avant qu'on entre. Je vais faire une crise de tétanie là. Voilà, nous sommes livrés à nous-mêmes, la voiture vient de partir. Bienvenue sur National Geographic. On est over. Vous voyez le grand Mont Blanc, le grand Mont Vert. 3 heures de marche. 3 heures? Quoi? Quoi? En montant. Me dis pas on monte. Comment on va faire, Joanne? Pendant 3 heures ici là. Moi il me faut un bâton là pour tenir. Ton genou cassé. Comment je vais faire avec mes jambes avec mes courbatures? Faut que je casse des trucs là. Shut up! Oh. Pas être tranquille et profiter du bruit paisible de la jungle. C'était quoi que tu disais déjà? Oh my god, 6!
pour la soirée. T'as recommencé 100 000 c'est fois. C'est pour le Kingdom Tour de Bilal Hassani. Je devais enregistrer quelque chose hier, en pleine jungle. En pleine jungle. Dis-leur. En plein dans mon hôtel avec la clim. Laura, elle mind son business. Ok, alors là... On est en train de s'enfoncer comme on avait fait à l'époque, mais j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup plus rude parce que les plantes elles sont plus serrées. Genre l'aspect il est différent. Pourquoi j'ai dit oui? Mets tes mains devant le bouclier contre les araignées et chute. Ouais, elles veulent que faire. Par contre, j'espère la nuit elles se calment les bêtes. Hein. Elles sont là, elles braillent comme ça. Là vraiment je suis au bout de ma vie parce que les bêtes c'est ma phobie. Et là il y en a genre partout. J'en fais Thank you. Là, j'ai mis mon pied dans l'eau. Ça fait même pas 20 minutes, j'ai déjà mis mon pied dans l'eau. Vous allez me dire que les hommes ils sont passés de ça à Starbucks. Aux centres commerciaux, à tout ce qu'on a à Paris, aux trottoirs, aux bitumes, aux voitures, aux lime, aux trottinettes électriques, c'est chaud le taf qu'il y a eu quand même. Je respecte. Honnêtement, je crois que c'est le moment le plus difficile de ma vie. On se rend pas compte comme ça, mais la chaleur, les insectes, les montées, je suis au bout de ma vie. Donc on va vraiment marcher 4 heures là parce que c'est nul. On va monter tout en haut. Pour dormir dans une tente et redescendre le lendemain, même pas lavé. Moi, je suis pas Ibra TV. Hein. Là, tu peux pas ramener des influenceurs tels comme Wessel Creed, Laura Genovino, plus Dimitri Skad. C'est pas possible. Genre, on peut pas faire ce genre d'épreuve. C'est beaucoup trop physique pour nous. J'arrive plus à monter. Moi, normalement, j'habite à Agnières. Je suis tranquille chez moi. Pourquoi je suis dans la jungle, putain? C'est hyper dur. En fait, c'est à ce moment-là, je réalise que en fait, je vais rester 24 heures dans cet endroit-là, là. Direct, je me suis mise à pleurer. Direct. C'est pas le mascara qui a coulé? Je suis con aussi, moi j'avais du mascara pour aller dans la jungle. On a fait 20 minutes de marche là, je suis déjà au bout de ma vie. Mon cœur il va lâcher, tu crois? Je vais faire 3 heures là. Donc là, on vient d'enchaîner 30 minutes. Wesley commence à craquer. Moi aussi, je craque. Je me dis, c'est pas possible. Comment je vais arriver à le faire? C'est impossible. Du coup, on est en train de se remettre en question un peu. On est en train de se dire, mais est-ce qu'on a envie de continuer pendant 3 heures comme ça alors qu'on est déjà fatigué? C'est ça le pire, c'est que je peux pas me laver. Genre là, je suis en eau. Genre mon corps, c'est de l'eau. J'ai en flaque d'eau, comme on dit à Paris. Vous voyez mon gabarit, je mange même pas de viande, j'ai rien dans le ventre. J'ai l'impression que je vais gerber ou faire un malaise. Même moi. Je suis entre les deux. La peau, elle me brûle. Je sais même pas comment c'est possible. Moi, j'ai l'impression que je vais bientôt arriver à mes limites. Ouais, pareil. Je suis pas arrivé jusqu'au bout, mais c'est je ça, sens je que donne ça tout là, mais là, on voit. Mais mon... donner tout pour aller où? On peut même pas aller en haut, mais en descendre. Non, mais surtout qu'en haut. Putain. Moi, je suis à bout, mais je donne tout. Non, mais il y a quoi tout là-haut? Je sais que c'est dur, on a pas de problème. Il y a quoi tout là-haut? Mais juste si c'est la même chose que ça, pourquoi on se pose pas là? Mais c'est pas comme ça, hein, je pense. On fait un voyage, on fait des trucs un peu plus extrêmes. Là, c'est le seul truc vraiment grave. Oui, genre, mais moi, mes capacités, mes poumons, ils peuvent plus. Tu vois des... C'est pas pour être cliché, mais genre un gros bonhomme musclé faire un truc comme ça, même lui, au bout d'un moment, il peut lâcher à tout moment. Oui, mais juste ça, à c'est notre rythme, on n'a pas une course, on n'a pas mais justement, il fait tellement chaud, là, on peut pas mettre 6 heures à y aller. Et encore moins 3, enfin c'est horrible, moi, dans tous les cas on est perdu. Et en plus faut redescendre demain. J'ai limite les mêmes, Laura a la plus de capacité physiquement, hein. Je suis fatigué de ouf aussi. Hein. Et alors? Mais après ça c'est chacun son... Bah voilà, donc c'est pour ça te dire, genre moi je prends mon temps mais juste j'y vais quoi. Je donne, on peut pas... si je fais un malaise et tout. Hier là, pour moi c'était le maximum que j'aurais pu faire de non, ma vie. Vraiment, genre moi je veux bien jouer le jeu mais là je vais être vraiment à bout, je peux tomber à tout moment. Si je tombe, il y a qui pour me soigner? Bien sûr que je peux pas être marathon. Ils ont l'habitude de ramener des touristes comme nous, des blancs ici. Aller jusqu'au point et on redescend en lac. Ok. Ok, on fait ça. Quel point? Tout ce que j'ai fait à partir d'aujourd'hui, c'est. Je suis choqué de moi-même. Oui. Là moi aussi, on me demande de me mettre à bout. Je suis à bout. J'explique, j'ai fermé ma gueule, je marche.
Dans 10 minutes, si je dis non, j'ai fait demi-tour, j'ai pas envie de niquer vos trucs. Plat végétarien, c'est quoi? Tous les véganes ne mangent pas de plat végétarien. On mange pas de la salade et une tomate pour se nourrir. Ça, c'est rien pour nous. Non, mais vous rigolez, mais je vous jure. Moi, j'ai besoin de nourrir mon ventre, j'ai besoin de force. Regardez mon corps. Je peux me casser un bras, là. Non, mais... C'est grave là. Je te jure, je me retiens, mais je peux pas. C'est dur. C'est trop dur. On fait pas la même chose à Paris. Non, mais la vie de ma mère, je te jure, Joanne, je peux pas. Là, je me vois pas monter encore. J'ai bien fait du tour. Non, mais là, ouais, mais je. On lâche tout. J'aime pas pleurer et tout, là, je me retiens, mais je peux vraiment pas. Là, je vous en supplie, je sais que okay. C'est chiant. Ça nique 500 euros, ça nique les plans, ça nique les turners, tout. Mais là, les gars, je vous promets, sans moi, en tous les cas, je peux vraiment pas, je suis pas capable. Okay. Vous faites manger tout ce que vous voulez, vous faites dormir dehors ce soir et tout, je veux bien, mais pas monter et tout. Non, là, juste la montée, je peux pas. Je peux pas monter 3 heures, c'est okay, juste ça le problème. Okay. De redescendre Wesley. Dormir n'importe où, c'est pas grave. Mais là, ils ont l'habitude. Ok, vous savez quoi? On essaye de monter, on va à notre rythme. Et quand vraiment on n'en peut plus, on le dit. On réessaye une dernière fois. Ok. Si même là il est choqué, c'est que c'est chaud. Putain, c'est la merde. J'ai l'impression de faire Subway Surfer. C'est moi qui ai ramené mes potes dans ce projet, donc faut toujours que j'essaye d'avoir ce rôle de motivateur en fait. Mais pourtant je sais que c'est hyper compliqué pour quelqu'un comme Dimitris qui a un problème de poumon ou Wesley qui a des capacités moindres. Et c'est ça qui est un peu dur de voir mes amis souffrir. Alors que je sais que ça va être c'est une belle expérience et que genre dans même pas dans une semaine quand on sera à Paris on y repensera et on se dira que c'est ouf quoi. J'ai tombé dans les pommes. Hein. Moi personnellement je me dis c'est mort. En plus je venais de me faire super mal à la jambe, ma jambe elle tenait plus. Je pouvais pas continuer, je commençais à boiter parce que je peux pas forcer de ouf sur ma jambe. Et là j'étais dégoûté, je me dis putain, je suis le seul qui va redescendre là. J'essaye d'avancer mais ça ne sert à rien, j'ai trop mal à la jambe. Donc je décide de descendre malgré tout et j'ai juste le seum en fait. Bon bah moi j'ai lâché hein, ma jambe m'a dit non, plus de force dans la jambe, plus de force dans le genou. Et là du coup je suis tombé au moins 10 fois là depuis qu'on descend là sur les pierres parce qu'elle glisse. Voilà, j'ai honte, la vie de ma mère, ça me casse les couilles. J'espère qu'il s'est pas passé quelque chose. Ouais! Oh ta mère, quoi, elle casse les couilles. Wow! Je suis désolé. Saoulé cette pute là. Heureusement qu'il est parti parce que là. Ah ouais, là il aurait crevé. Bon là pour le coup Laura elle est vraiment à bout, ça me fait trop peur. Elle est vraiment en train de pleurer et tout. J'ai des capacités physiques, vous voyez mon petit corps de lâche. Et je me force de ouf. On y est archi presque. Je suis mort. T'inquiète, je suis là. J'en peux plus, je suis vraiment au bout de ma vie parce qu'en plus de la chaleur, l'humidité, les pentes elles sont comme ça, on monte vraiment des montagnes comme ça et du coup c'est vraiment, faut être vraiment sportive et avoir du mental et au bout d'un moment j'en peux plus, j'arrive au bout du bout, je commence à avoir des sortes de malaises et je me dis ok là stop, je suis arrivée à mes limites. Hein? Je comprends pas quoi. Ah,
Viens, on descend. Redescendez. Enfin, viens, on va voir ce qui se passe. Ça, c'est vraiment très dur pour moi, genre. Chaque pas que je fais, vraiment, c'est une souffrance. On est dans des pentes comme ça, mais vraiment comme ça. Il y a la chaleur, il y a les insectes. C'est vraiment super dur. En fait, je me dis, mais stop, mes limites, elles sont là. Et en fait, à chaque fois, on arrive à les surpasser. Et c'est encore plus dur, en fait. Enfin, c'est trop bizarre. En fait, on n'est pas encore arrivé, mais moi, je suis tellement fier de mes potes. Même Dimitri, c'était pas de sa faute s'il a dû lâcher. Mais en gros, je me dis, à Paris, on a tellement pas cette vie. C'est ça que je répète depuis genre une heure, là. Mais je me dis, on a tellement pas cette vie, on a tellement autre chose. Genre, juste, on se plaint parce qu'on se retrouve dans des cafés et tout. Et je me dis, c'est un truc de fou de vivre ça ensemble ici. Genre, on sera pas les mêmes. En rentrant. Ouais. Moi je suis choqué, le mec il est en jean et il dit rien. De ouf. Il est en jean slim. Ça doit le saouler plus qu'autre chose. Il est même pas fatigué, il dit putain, Johan, c'est sérieux. Tout à l'heure, il y a Noy et le guide, ils étaient par terre, ils étaient comme ça en mode oh là là là. Avec Wesley on s'est dit ok, on avance vite vite. Ils disaient oh non non non. On a lâché une tangente, mon frère. Ah, on est monté vite, rien à foutre de la douleur. Je me suis dit, c'est bon. Une tangente, elle a dit. T'as dit quoi? Mon mascara, il a pas coulé. Ah, si, t'inquiète. Ah, non, grave pas, t'inquiète. Ah ouais? Ouais. Mais là, t'es en mode Billie Eilish. C'est un waterproof? Bah non. Bah, il tire de ouf. Mais c'est un Chanel. Y'a aucune trace. C'est la qualité. Y'a aucune trace. Moi, je me suis dit, si j'abandonne la honte de ma famille. Je vais rentrer à Paris, je vais dire bon bah je me suis arrêtée dans la jungle, j'ai pleuré, je suis redescendue. Donc là pour redescendre, moi je m'aide avec un bâton et en fait je m'écorche la main. Et là je commence à avoir trop trop mal. Moi je me dis il va y avoir des insectes qui vont rentrer dans ma plaie et tout. Je m'imagine des trucs de ouf. Bon, Laura s'est pris une écorche dans la main et on lui met une compresse. Ah, il y a du gel antibactérien sur ma plaie. Regarde ça comme ça. Ah, j'ai cru que c'était mon iPhone qui vibre. Ouais, moi aussi. En fait, moi je suis une personne en apparence hyper discrète, hyper. Enfin, je parle pas pour rien. J'ai un fort caractère, même Wesley il sait, à tout moment je m'embrouille. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle est verso, comme moi. Et ça me pousse à être beaucoup moins dure, à être beaucoup plus légère. Et il n'y a que dans des moments comme ça qu'on peut réaliser des trucs comme ça. Et voilà, ça nous fait faire une vraie introspection en fait. Et c'est ça qui est ouf. Au-delà du fait de souffrir, de s'écorcher la main et tout, vraiment tu te remets en question à chaque pas. Et voilà, et c'est pour ça que je suis quand même contente de l'avoir fait. Et... Moi je sais que là ma vie, elle va prendre une autre tournure. Je pense que même sur mon comportement, sur tout en fait, là je peux pas... Je vais être moins dur moi. C'est ça, genre je fais trop de chichi en fait. Ouais. Pour rien. Là c'est. Ouais. De fou. Allez, trois photos vite fait, Laura. C'est juste là. Enfin, avec le fond parce que c'est trop beau. Il y a une méga sauterelle, les gars. Viens pas. Là, regarde. Oh. On est arrivé au campement, oh mon dieu, ça y est. Waouh, c'est magnifique. Et on a chacun nos tentes. On dirait pas dans Anna Montana quand elle faisait du camping là. C'est iconique. Et ils nous ont préparé un dîner. C'est vraiment horrible en fait. J'ai pas eu tout ça là. Je vois une méga méga grosse araignée d'ici. Je la vois en HD. Donc là, on est au campement. Et on nous a dit, il y a le repas qui est bientôt prêt. Regardez les poissons, ça a l'air trop bon parce que ça va être bien grillé sa mère au feu de camp. Thank you. La table, enfin, la feuille, elle s'est remplie en quelques instants. Il y a des grillons, des écorces de bambou. Ça, je sais pas c'est qui, mais c'est trop bon. Omelette, poisson, riz. Wow. Un buffet. Bon appétit. Bon. Merci. Oh, il y a Alex encore, il y a toujours un Alex dans la partie. Lui, il a la situation.
à soif. J'appelle le gaze. Elle est où, Lou? Comment pour ce genre de truc, il est relou, hein. En soi, il est mort, il est mort. Le poisson, il est mort, je l'ai mangé. Et que la vie, c'est archi bon. Oui, c'est bon, on la connaît cette phrase. À chaque fois, il dit ça, le mec. Ça passe crème. C'est vrai que ça passe crème. J'ai même pas. T'as mangé? Fin. Bah non, c'est pas dégueulasse, ça se prend. C'est une chips pourrie, comme t'as dit. Bon, bah écoutez, je suis dans ma tente. Et c'est plus confort que ce que je pensais. Il y a vraiment zéro bête. J'ai bien tout zippé parce que j'avais trop peur. Mais là, pour l'instant, c'est cool. Ça me dérange pas, ça fait du bien d'être un peu enfermé, genre seul. Et honnêtement, moi je suis grave détendu. Genre, ça peut paraître fou, mais ce climat avec genre le décor et la pluie et le fait d'être un peu seul là dans sa tente, je vous promets, ça fait trop du bien. Voilà. Bon, c'est flou, désolé, mais là je pense que vous pouvez comprendre un peu qu'on est dans des circonstances où on ne peut plus faire d'efforts. On est dans une tente actuellement, je pense que vous l'avez bien vu. Il fait chaud, mais chaud cacao. Parce que j'ai trop peur, wesh. J'étais au fond du jardin dans ma tente. Ah non, c'est mort, j'avais trop peur. Impossible. Et comme lui et moi on va pas dormir de sitôt, bah du coup, bah voilà, on dort pas en fond. Bon, alors en fait je me suis endormi parce qu'en fait il a commencé à pleuvoir, du coup on n'avait pas d'autre choix que de rentrer dans notre tente. Et je me suis grave endormi, je me suis réveillé, j'étais tout poisseux et tout, ça me dégoûte, bon je fais avec. Et j'entendais des voix, ça faisait longtemps que j'étais réveillé, et là j'entendais des voix, je me suis réveillé, j'ai vu que Charles et Wesley étaient là en train de manger, je sais pas quoi. Et du coup je suis parti les retrouver. Je crois que je lui ai proposé. Parce que là, ma tante actuellement, c'est l'odeur de Laura, la transpiration de Laura, elle est toute chauffée. Et là, sa tante à être, bah, du coup, elle est fraîche parce qu'elle est jamais rentrée dedans encore. Laura, tu dors? Tu fais quoi du coup là? Hein? Ah, regarde, j'ai une série. L'autre. C'est la moustiquaire. Putain, là je suis dans ma tente, ça me saoule. Oh là là, regardez. Non mais sérieux, on pourrait croire que je suis bien là, mais je suis pas bien du tout. C'est trempé complètement. Vraiment, je suis au bout de ma vie là. Regardez ce qu'il y a là. Donc moi je vais dormir à côté de ça. Franchement, celui qui a eu l'idée de venir là, je sais pas qui c'est. Ça commence par un S et ça finit par un E. Ou un J et un N. J'ai passé une nuit horrible. Il y avait un papillon dans ma tente, j'arrivais pas à le sortir. Il y avait l'humidité, il y avait la transpiration, c'était horrible. Vraiment, je me suis retrouvée face à moi-même. C'était horrible, horrible. Donc là, je sors de ma tente. Je me dis, putain, j'ai hâte qu'on rentre à l'hôtel, s'il vous plaît. Il est content, il a dormi dans la jungle. Il adore ce genre de bêtises. Waouh! Bon bah moi j'ai bien dormi perso, mais là je pense qu'il est temps d'y aller. Moi j'ai bien dormi, c'est trop bien, j'ai vu des étoiles filantes, j'ai passé une nuit de rêve et j'étais en mode waouh, l'Asie. Je regardais le ciel, on peut pas vous montrer parce que ça se voit pas à la caméra, mais il y avait tellement d'étoiles et j'étais en mode wake, et à un moment j'ai vu une étoile filante. Bref, j'étais dans mon petit rêve. Mais il croit il est dans Disney, étoile filante. Ah oui, carrément. Et ce matin, le réveil était plutôt difficile parce que la tente était tellement chaude et humide que quand je me suis réveillé, ma F. Après, on a mangé des bananes. Bref, là, j'attends juste de rentrer parce que je suis à bout. Mais c'était cool. Laura, elle a bien dormi, elle.
Bah moi je pense que ça se voit à ma gueule, j'ai super mal dormi. Je me suis réveillée à 3h du mat, j'ai parlé avec le guide jusqu'à 5h du mat, enfin bref c'était le bordel. Plus jamais, plus jamais. Ah mais on dirait on a pas dormi au même endroit que lui, wesh. Ouais. Je suis fier de moi parce que j'ai dormi dans la jungle, première fois de ma vie. Donc quand quelqu'un va m'embêter à Paris, je vais faire tais-toi, j'ai dormi dans la jungle. Putain, à un moment on était dans une rapide et il y avait une branche et je me suis cogné la tête. Ah j'ai trop mal, vraiment. Vous savez que je vais sortir la bosse. Ah je m'avais défilé et là j'ai super mal à la tête. J'espère que j'ai pas perdu trop de neurones. Parce que j'ai la flemme d'être con genre. Ah.